Bonjour, aujourd'hui donc un autre tuto sur Excel suite à une demande d'un abonné. Donc la question est la suivante. Serait-il possible de faire un tuto sur des pays ayant chacun 4 villes? Lorsque je changerai de ville, alors la somme interviendra dans la colonne d'à côté. Mais c'est possible de le faire avec des listes déroulantes. Donc j'ai choisi ici 4 pays. La France, le Maroc, l'Italie et l'Espagne, et 4 villes de chaque avec des quantités aléatoires ici. On va donc faire ceci avec des listes déroulantes. Donc on va prendre ces 4 pays donc ici, et voilà. Ok, et donc pour choisir ici les villes de la France avec des listes déroulantes, je pose donc ici le curseur, je vais donc à données, validation, et si sur liste je prends égal et je choisis ici les villes de la France, je mets OK. Alors donc on trouve ici, et c'est la même chose donc ici pour le Maroc et la France, sauf que la liste du Roland, il change donc ici, c'est égal à celui de la France. Pour l'Italie, la même chose dans les validations, on va choisir celui d'Italie, et pour l'Espagne, dans les validations, je vais choisir donc celle d'Espagne. Ok, voilà, donc je vais choisir donc au hasard des villes pour chaque pays, et ici le total, je vais mettre ici le total, et ici donc je vais choisir selon les pays. Donc on va faire donc une formule égale somme ci, donc de ces villes, de ceci, je mets donc F4 point virgule, je mets donc choisi, je choisis ici donc Paris, je mets F4 et j'ai mis le dollar à gauche, puis c'est donc F4, et je choisis ici et je mets F4 et je ferme. Voilà donc ici pour Paris 91, et je tire donc la formule. Donc ici pour Fès c'est 88, etc., et ici est égal à la somme de ceci. Voilà donc une première solution. Donc je choisis ici donc chaque ville, et la somme change selon donc votre choix avec la liste du Roland. Ça dans un premier temps. Je peux mettre ici par exemple ces pays là, donc je vais choisir ces pays là. Une autre façon de faire, voilà, donc ils sont là, ils sont déjà là. Donc je vais appeler cette liste là pays, par exemple pays. Je mets contrôle entrée, donc ça suit payé. Donc voilà, je vais mettre ici dans les validations, je mets donc liste, et je vais choisir égal payé. Voilà, donc je peux choisir, donc je vais descendre, donc ici le Maroc, ici je prends par exemple la France, je prends par exemple ici l'Italie, et ici l'Espagne. Ici donc pour avoir les villes du Maroc ici, donc je vais appeler ici, je vais appeler ça, si les villes de la France, je vais les appeler ici France, un nom, et ici je vais appeler ça Maroc, ça Italie. Italie, ici Espagne, donc je vais mettre ici avec des listes déroulantes, toujours données, validation, liste, et je vais mettre égal indirect, indirect, je vois la parenthèse, et je choisis ceci, je vais donc éliminer le dollar à droite,
et je ferme la parenthèse. Donc lorsque je choisis ici, donc il y a les villes de Maroc. Et je descends. Je ne sais pas ce que vous voyez en nom. Donc je vais mettre ici. Ici, Casablanca. Pour la France, je trouve donc les villes de la France parce que c'est indirect. Et ici, l'Italie. Et ici, je vais trouver l'Espagne. Attendez, donc il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas Espagne. Il faut écrire la même chose. Espagne. Espagne, attendez, il y a une erreur ici, c'est pas Espagne. GH, donc je vais corriger ici. Espagne, donc modifier. Je vais mettre ici Espagne. Espagne, voilà. Donc ici. Espagne, Espagne. Donc je dois trouver ici Espagne. Attendez, attendez, j'ai oublié le petit A. Espagne. A. Voilà. Ok, et ici donc je vais mettre une formule mais différente de la première intégration prod. Son produit, donc ici selon les pays, donc ceci, je mets F4 égal au Maroc, je ferme, je fais multiplier, je vais mettre ici entre parenthèses, multiplie par quoi, multiplie par ici les villes égal ceci pour ceci, donc ici je vais donc figer une ville ici avec F4 et ici je vais figer mais avec $. Ensuite je vais mettre point virgule et je vais choisir cette colonne là et je vais figer avec F4 et je ferme. Donc voilà, ce serait donc voilà, je mets entrée. Voilà donc ici, voilà donc, et je tire comme ça. Ok, voilà donc ici pour l'Italie, pour le Maroc, etc. Si je fais par exemple comme ça, je vais donc selon ici le Maroc, je vais supprimer ici. Si je mets par exemple ici donc la France, je vais trouver ici les villes de la France. Si je fais par exemple ici l'Italie, je vais trouver ici les villes d'Italie. Si je vais mettre par exemple ici, il reste donc l'Espagne. Ici donc c'est les villes d'Espagne. Et ici le total. Avec Alt. Ok. Voilà donc. Je vais mettre ce fichier en dessous de la vidéo pour le téléchargement. Ok. Voilà donc. Si je choisis par exemple ici la France. C'est zéro ici parce qu'il n'y a pas ici la France et les villes, donc on doit trouver ici les villes de la France. Mais il y a une répétition parce qu'il y a la France. Donc il vaut mieux mettre l'Italie qui ne figure pas ici. Ok. À la prochaine donc. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne et à mettre des likes. À la prochaine.